Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 2 de Cœur Mécanique. L'épisode d'avant on a fait le train avant. Le train avant est tout neuf. Aujourd'hui on va faire le train arrière les gars. Donc on va tout démonter et on va tout changer. Attaque, allez c'est parti. Le tambour de frein on l'enlève. On enlève tout, de toute façon on change tout, toutes les pièces. Toutes les pièces on va tout changer. J'ai une voiture neuve. Les mâchoires. D'accord, le noyau et ça, de toute façon on va tout enlever, on la démonte entièrement les gars. Ouais, les cols de gros sort, voilà, c'est l'ancienne quoi. Hop là, voilà, on enlève ça, ensuite on enlève la base, ça c'est l'amortisseur à l'ancienne. On enlève les slim blocs, comme ça, hop, on va pouvoir enlever et mettre un truc neuf. Voilà, le ressort, l'échappement on s'en occupera après, ça pareil on va l'enlever, pour enlever le train arrière carrément, on va être obligé, tac, voilà, il faut aller l'autre côté maintenant, voilà. Hop le tambour de frein, les mâchoires, la demi-heure bretonne, n'importe quoi. Tout. Hop. Voilà. Le collier de ressort. Faut bien tout enlever. On va vraiment la faire neuve. Entre temps, je vais faire des petits épisodes, des petits lives. Parce que, en fait, je voudrais refaire la carrosserie aussi. Et j'ai pas encore le niveau pour refaire la carrosserie, pour refaire la peinture et tout. Donc entre temps, bah, je ferai des missions à côté, peut-être en live ou en live sur Twitch ou autre. Tac. On enlève le train arrière, pont arrière plutôt. On l'enlève, tiens d'ailleurs ça faut que je l'enlève aussi. Je vais juste y penser. Ah, je peux pas monter plus haut. Enfin, fallait baisser, d'accord. Tout. Voilà, vas-y, l'échappement, on va l'enlever aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite faire la descente. Hop là. J'enlève ça. Ah, ça fait drôle, elle a plus de pont arrière. Elle a plus de pont arrière, ça fait vraiment drôle. Tac. Pourquoi je peux pas l'enlever? Ah, d'accord. Là, voilà, par contre, maintenant, faut que je la relève. Juste pour enlever ça. Tac, et hop, c'est enlevé. Donc maintenant on va acheter toutes les pièces du pont arrière. Ça va être simple déjà. Tac, d'accord. Ah ouais, ça j'ai pas revendu, attendez. Je revends ça, comme ça j'ai pas mélangé mes pièces. Hop, hop, voilà. Tac. Principal. Suspension. Alors déjà suspension, ce qu'il nous faut. Est-ce qu'il y a un pont arrière? Ressort de lame, déjà il nous en faut deux. Je sais plus si c'est un petit type, on verra ça après. En base, il nous en faut deux. Il nous en faut deux. Je sais pas si c'est des grands ou des petits, c'est pas grave au pire. Collier de ressort, on nous en faut deux. J'ai pas trouvé la pièce. Berceau arrière, non. Ah, c'est tout. Ah voilà. Rigide, ressort, lame. On va voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est? Ressort de lame, je les ai, donc on peut les vendre. Les colliers, on peut les vendre. Les embases, on peut les vendre. Derrière, il m'en faut 4 colliers. Ça, on peut vendre. C'est des types B, d'accord. Est-ce que type B,
Et ressens l'âme, d'accord. Et rien qui bouge. Nickel. Ressens l'âme, voilà. Tac. Type B, donc B. Suspension, je veux. Est-ce qu'il me faut une offre encore D comme ça? Je vais zapper, c'était de chaque côté. Ah oui, c'était ça aussi. Tac. Type B. Il faut deux. Voilà. Donc pour le moment, déjà, j'ai pas mal de pièces. Moyeu 4, d'accord. Ça, type B, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Pour arrière, c'est fait. Arrière type B, c'est fait. Arrière type B, c'est fait. Il me faut les moyeux et des petits cils en bloc. Moyeu 4 et petits cils en bloc. Alors. Moyeu 4. Alors 2. Et petits cils en bloc 4. Pas 5, mais 4, merci. Hop là. Ce qu'on va faire, c'est que on va les vendre. Hop, hop. On va avoir un pont arrière tout neuf. Remontage. Hop, ça c'est tout beau. Ça c'est tout beau. Parfait. Allez hop, on met le ressort de l'âme avec les petits cylindres blocs. Voilà, elle va être belle cette voiture. Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir aux puristes. Oh, je voudrais que c'était là-bas. C'est pas grave, on va mettre ça pour nous. Si on bloque, le truc que je me trompe souvent, c'est ça. Les petits si on bloque, en fait, tendance à mettre les gros. Donc, les de ressort, voilà. Voilà pourquoi il en faut 4 parce que c'est deux de chaque côté. Puis à chaque fois, je mets 3. Dites-moi, hein, les gars, si vous voulez d'autres vidéos, des lives, surtout. Dites-moi si vous voulez des lives sur ce jeu. Dites-moi en commentaire, live. Le ressort de l'âme. Et si l'on bloque. Hop là. Elle va être belle, elle. Un petit ressort tranquille de famille. Comme ça, je peux directement accéder au silon bloc. Parfait ça. Bon bah le pont arrière est presque fini. Hop. C'est combien de temps de vidéo? 7 minutes. On va attendre, on va faire deux trucs à côté. Tac. Ça, voilà. Aussi. Ah oui, il va falloir que j'achète tout ce qu'il faut. Montage de pièces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter tout ce qui est frein. Mâchoire de frein, tambour de frein, j'ai besoin d'étrier. Je sais plus c'est quoi comme disque de frein. J'ai pas besoin de disque, je suis con. Hop. C'est des mâchoires. Hop là. Le tambour. C'est parfait, ça aurait pu être la jante à mettre. Hop. Montage. Demi-arbre à cam, voilà. Pourquoi je dis demi-arbre à cam à chaque fois? Je suis con, moi. C'est le demi-arbre d'entraînement. Putain. Tais-toi, quoi, tu dis quand même comme ça. hop là. Tambour de frein. C'est quoi cette musique? Hop là. Donc ça c'est fait. Ce qu'il va nous falloir aussi maintenant, c'est un réservoir, les gars. Ça on va vendre. On vend tout ça. Réservoir. Réservoir carburant et pipe à carburant. Donc ça va être sympa de trouver.
j'ai pas les forces de réservoir. Voilà. Pompe à carburant. Voilà, parfait ça. Voilà, il est monté. Est-ce que je vais pouvoir monter? Voilà. Alors, on va acheter une arme de translation aussi. On va démonter tout l'échappement et ouais, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter tout l'échappement. Montage. Hop. Hop. C'est du V8 OHV. On va en profiter pour démonter la boîte de vitesse. Tout. Elle commence à être belle, hein. Franchement, elle commence vraiment à être jolie. Au niveau de carrosserie, je trouve qu'elle est au top. Hein, pour enfin, je trouve à part là, c'est. Ouais, il y a juste l'aile que je vais devoir changer, mais après. C'est vrai que je trouve une aile rose. Une petite aile rose, ça serait sympa. Bon, bah écoute, je trouve que je vais descendre. Je sais pas si je vais pouvoir activer. Comme j'avais dit, vas-y, on va s'occuper que de l'échappement aujourd'hui. Ouais, c'est que je m'occupe de l'échappement, il va falloir que je m'occupe d'autres pièces. Ouais, on va s'occuper de la batterie, on va mettre la batterie, on va mettre des trucs comme ça avec Def. Tac. Bah, la batterie, c'est déjà fait, je crois. Ouais, genre on va acheter genre un cerveau frein, une batterie. Pardon, si je bug, excusez-moi les gars, je viens juste de me lever. Première chose que je fais, c'est une vidéo boom. Batterie. Radiateur type C, d'accord. Tac. Batterie. Déjà on peut acheter ça, la batterie. Et Tour. Alors c'est celui-là type C. Donc je pense que c'est ça. Avec ça. Tac. C'était juste le ventilo en fait. Ah ouais, pas besoin d'acheter le. D'accord, j'aime pas le ventilo qu'il y a avec. Au moins, on a mis le nouveau radiateur. Ce qu'on va mettre, c'est la batterie aussi. Hop là. La batterie. En mode démontage, le cerveau frein. On va en acheter un direct. Frein, comme ça on pourrait directement l'installer. Tout, voilà. Ce qui est pièce extérieure, c'est installé. Il me resterait juste à changer le moteur, les gars. Changer le moteur et un truc de carrosserie, puis on sera bon pour la voiture. Hein. Bon, sur ce, je vous dis aimez, partagez. Abonnez-vous et si vous abonnez, vous deviendrez une petite licorne rose, les gars. Donc abonnez-vous en basse et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.